En fait, je pourrais même pas parler d'esprit bénévolat, puisque je vous le dis, je le fais sans même réfléchir. Hein. Donc, c'est l'instinct. L'idée, elle est venue assez naturellement. En fait, moi, je suis arrivée à Beaune en 2014. En 2015, donc, notre petite fille Pénélope est née. On avait fait le choix que ce soit moi qui m'occupe d'elle, donc j'étais devenue mère au foyer, donc un nouveau job. Puis en fait, au bout d'un an et quelques, j'ai senti le besoin de rencontrer des gens. Donc pour ce faire, je me suis dit bah, pourquoi pas créer un compte, un groupe Facebook pour pouvoir lancer la machine. Alors en fait, c'est libre, c'est en fonction des disponibilités de chacun. Donc si on a envie de faire un atelier de recevoir chez soi, donc à partir d'une idée créative et aussi en fonction de l'âge des enfants, on fixe un rendez-vous, on limite un nombre de personnes bah, pour ne pas se retrouver trop nombreux et pouvoir apprécier le moment. Tout le monde n'est pas obligé de recevoir, il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui c'est un atelier artistique, mais ça peut être musical, ça peut être une sortie. J'ai aussi trouvé des intervenants venant donc un atelier de poterie. En atelier régulier aussi, on a une couturière donc, qui fait des ateliers pour les enfants et pour les adultes. Nous, on ne compte pas en maman, on compte en famille. Donc on a 51 familles qui sont adhérentes à l'association. La moyenne d'âge dans les enfants de l'association, donc on est entre 3 et 4 ans. 3,86 pour être précis. Parti sur un mode associatif pour pouvoir mutualiser des cotisations. Donc on a une cotisation aujourd'hui qui est fixée à 30 euros donc pour l'année. Et en fait, cette cotisation, elle va servir à couvrir une partie des ateliers qui sont payants. Donc typiquement, un spectacle de marionnettes, un atelier de poterie, un atelier de couture. Il n'y a pas que des mamans au foyer dans l'association. Il y a des mamans qui travaillent, il y a des mamans qui sont en congé parental. Il y a aussi des femmes qui nous rejoignent, des femmes qui attendent leur premier enfant ou leur deuxième enfant. Moi, j'ai remarqué, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, c'est que ça donne des ailes aussi pour des nouveaux projets. Et aujourd'hui, c'est en marche. C'est en marche, ouais, c'est en marche.